Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Temulboy. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de la LSP, la Ligue Stratégique Pokémon. Je suis en compagnie de mon ami Sem4U313. Comment ça va? Bah ma foi, je vais très très bien, je suis vachement hypé par ce championnat qui arrive. Et j'espère que vous aussi là, rien que par l'annonce. Donc voilà quoi. Et vous mon cher Emulboy, comment allez-vous? Eh bah je pense que je suis même encore plus hypé que vous monsieur. C'est génial. Ça se verra, hein. On verra bien ça. Ah c'est génial, on est content entre nous, entre youtubeurs, d'avoir formé cette LSP. Depuis quelques temps on prépare ça. Vous connaissez très sûrement l'ACPF, entre pas mal de youtubeurs français plus connus que nous. Et on s'est dit, ok c'est bon là, une ligue stratégique comme ça c'est génial, ça va être super cool à faire, il faut qu'on se lance aussi là-dedans. Ça faisait un certain temps que j'y pensais avec d'autres personnes avant la création de l'ACPF. Et depuis qu'on a vu l'ACPF, c'est bon, on s'est dit allez, on y va, let's go. On crée notre speed, faut qu'on se dépêche, merde. On aurait dû mettre le choice scarf, ça commence. Enfin bref. On crée notre ligue et voilà quoi, on y va à fond, même si on n'est pas tous aussi connus que ceux de la CPF. Y a pas de soucis, on est là pour tous, s'amuser avant tout. Tous des gens de confiance, tous des bons gars, tous des bons youtubeurs, des bons stratèges. Alors j'espère que vous allez bien kiffer cette LSP, la Ligue Stratégique Pokémon, dont vous voyez le logo apparaître maintenant. J'espère qu'il vous plaît et j'espère que tout vous plaira quoi. Mm-hmm. Bah oui, hein, voilà, on a vraiment tout préparé pour faire en sorte que le show soit beau à voir. Soit au rendez-vous, exactement. Voilà, donc alors par contre, ce sera moins beau graphiquement parce que le tournoi se déroulera sur Showdown. Pour des raisons pratiques tout simplement, hein, on peut pas tous bridge chaque semaine, on n'a pas tous un capture board pour filmer correctement. Enfin voilà, on fait ça avec les moyens du bord, on fait ça sur Showdown. Mais cependant, je pense que ça permettra vraiment de voir des sets encore plus intéressants justement parce qu'on a plus de possibilités sur Showdown. Donc vraiment, je pense que ce sera très intéressant. Très intéressant à voir. Donc le tournoi se passera en mixtière, donc c'est-à-dire les Pokémon seront dans des tiers très différents, c'est-à-dire on aura le droit voilà, plein de Pokémon de tiers différents, on fait ce qu'on veut. Ça ira de l'OU au PU quoi, ce sera très varié. OU, PU, main dans la main, pour vaincre l'adversité, c'est beau. Voilà, on se croirait dans un Sentai japonais, c'est magnifique. Et donc du coup voilà, on a juste décidé de ban deux Poké en plus de ça, c'est Oupa Déchaîné et Metalos Mega, parce que c'est des Pokémon qui sont vraiment trop puissants pour le mixtière, parce qu'ils ont une trop grande versatilité offensive pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc voilà, mais à part ça, bref, tout est autorisé, on a vraiment laissé les gens se lâcher, faire ce qu'ils veulent avec le team building. Genre s'ils ont envie de jouer, je sais pas moi, Articodin Hat, Kizzy Eye ou je sais pas, Sulfura Physique Choice Band, faites ce que vous voulez les mecs, c'est le but. Et voilà, j'espère que ça fera des beaux matchs. Moi personnellement là je prépare tout ça, je pense que ce sera très très beau à voir. Exactement, il a tout résumé, c'est parfait. Et donc les drafts des Pokémon ont déjà été effectués, on l'a fait entre nous il y a tout ça à peu près une semaine. Et donc chacun a ses Pokémon. Le système des drafts était assez cool, je veux dire, il était fait pour favoriser les mixtiers, les sous-tiers plutôt, pas les mixtiers, voilà. Sous le principe de 3 OU et UU maximum et 3 RU et NU minimum. Donc avec un quota de points respectés, chaque Pokémon les Pokémon OU coûtaient plus cher que les Pokémon PU forcément, ce qui semble forcément logique. Allez tous nos points bien évidemment. Et donc chacun a sa team, chacun a ses Poké de chaque tiers. Donc le système des drafts a fait en sorte de favoriser les sous-tiers. Et voilà, donc je pense que maintenant on va pouvoir passer aux participants, parce que je pense que vous l'attendez, vous dites mais ils sont deux, là c'est bon, là, on en donne deux, mais alors voilà, qui sont les c'est deux glandus, c'est des gros cons, moi j'ai envie de voir, je sais pas moi, quelqu'un, faites pas chier. Qui sont les autres participants de cette LSP? Alors il y aura sûrement des noms que vous connaîtrez, peut-être, je l'espère en tout cas. Découvrir ce championnat. Hein. Exactement, vous découvrirez aussi sûrement de nouvelles têtes, de nouveaux youtubeurs. En tout cas, sachez qu'on a fait un choix
Pas random du tout, on a bien regardé qui. On a pris que des gens de confiance, des gens qui étaient de bons youtubeurs, des gens qui Qui avaient a qui est la bon qualité, en qui a strat. été là pour faire des choses. Voilà. Exactement. Donc, et bah voilà, je vous connaîtrai peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ça va être une bonne occasion pour le découvrir. Je te laisse la main pour présenter les participants. Donc en premier participant, nous aurons Azul Thunder. Hey yo tout le monde, c'est Azul Thunder. Donc pour cette LSP, je serai le coach des loups Gearbeck. Donc pour cette compétition, tout ce que j'espère, c'est ne pas terminer dernier, m'amuser un maximum et peaufiner mes techniques de stratégie. Bye tout le monde. En deuxième participant, nous avons Dark Ninja. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dark Ninja et je suis présent dans la compétition en tant que coach des Négapluies de Cherbourg. Ensuite, nous aurons Dark 94. Salut, je suis Dark 94, le coach des paquets d'oiseaux. Donc, je ne pense pas que je vais gagner, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. En quatrième, nous avons Elekable Best. Salut à tous, je suis Elekable Best et je suis le coach de l'équipe Elekanière. J'espère vous faire rêver et vous offrir un beau spectacle. Et aussi, bien sûr, d'aller le plus loin possible dans cette compétition. En cinquième, le fameux, le seul, l'unique Emule Boy. Salut à toutes et à tous, c'est Emule Boy. Dans cette LSP, je serai le coach des Abu Dhabi. J'espère que vous serez derrière moi pour me soutenir, car j'aurai besoin de vous. Juste après le grand Emule Boy, voici Idrey. Salut à tous, c'est Idrey, coach de la team des Amnétamorphes. Et surtout, j'ai envie de dire à mes adversaires, vous allez morfler, et moi je vais m'amuser. Juste après, en septième place, nous aurons Ormetron. Bien le bonjour, ici Ormetron, et je suis le coach des Scalblo. On enchaîne avec Prof de Sino. Salut à toutes et à tous, je suis Prof de Sino, coach de l'équipe des Archéoslag et j'espère gagner ce tournoi. Après Prof de Sino, nous avons un autre professeur, il s'agit de Professeur Corzoma. Bien le bonjour, soyons brefs, sérieux et motivants, je suis Alex Corzoma, je ferai des combats cordialement. Vient ensuite le grand BG d'avis, Sam4U313. Bonjour, je suis Sam4U313, entraîneur des Mantes la Jolie Flore. Nous ne sommes là que pour une seule chose, gagner. Et enfin, quelqu'un de un peu moins BG, mais tout autant quand même, Torcara. Salut tout le monde, Torcara, on se retrouve avec les Bretonniks, avec une team complètement what the fuck. Et j'espère qu'on va bien s'amuser, bonne chance à tous, et que le pire perde, c'est-à-dire moi. Allez, bye bye. Donc voilà, je pense que vous connaissez certains noms, je vous fais confiance pour avoir un petit peu traîné sur YouTube et connaître certains de ses participants. Ils valent tous la peine. Ils valent tous la peine, je peux vous conseiller. Toutes leurs chaînes seront bien évidemment dans la description. N'hésitez pas à aller checker, au moins aller voir, regarder ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font sur YouTube. En tout cas, on espère vraiment que chacun de ces participants vous plaira et qu'au fur et à mesure des combats, vous aimerez, vous les verrez en train de combattre et vous les apprécierez. En tout cas, sachez que nous, on est tous une bande de potes et on est super, super contents de faire ça, super hype de participer à cette LSP, quoi. C'est vraiment un projet qui se réalise depuis un certain temps. C'est genre notre DD, on l'a accouché enfin. Ah non, mais l'accouchement il a été dur, on a vraiment lutté pendant ces dernières semaines parce que l'organisation c'était vraiment un gros bordel. Gérer 11 personnes c'est chaud. Et on a vraiment fait de notre mieux pour faire en sorte que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Et là on est vachement fiers du résultat, on espère que ça vous plaira aussi. Parce que vu comment on a travaillé dessus, ça ne peut que vous plaire de toute manière. De toute manière, il y a Emule Boy BG, rien que ça, ça suffit. Emule Boy BG, ça suffit. Puis voilà quoi, il n'y a pas besoin de plus, on espère que ça vous plaira. Quoi. Voilà, exactement. Donc, sur ce, je pense qu'on a à peu près tout dit, à peu près tout dit, balayé. Je pense. Ça se passera tout simplement le championnat classique, un match par semaine. Vu qu'on est 11, il y aura un exempt par semaine. On aura le droit à une semaine de repos chacun. Et à la fin, les 4 premiers iront en demi-finale. Donc ça, ce sera dans 11 semaines. Donc voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, mettez tout dans les commentaires de n'importe quelle vidéo, de n'importe quel participant, de celle que vous regardez. On sera avec toi après vous, hein. Exactement. On est gentil, on ne mord pas, vous inquiétez pas. On ne mord pas. Et voilà, si vous êtes vraiment chaud, vraiment hype, vous n'oubliez pas de vert. Mettre un pouce bleu là. Moi, je dis vert. Soutenez votre équipe. Soutenez le youtubeur que vous aimez, ouais. Les youtubeurs que vous aimez. S'il y a si vous êtes proche d'une ville d'un youtubeur, alors soutenez-la. Bah oui, voilà. Soyez chaud, soyez bon. J'espère que vous allez vraiment, vraiment kiffer. Et en tout cas, nous, on sera vraiment là pour ça. C'est obligatoire pour nous faire plaisir et pour vous faire plaisir. En tout cas, c'est obligé.
Donc sur ce, comme tout a été dit, je pense que le mot de la fin, peut-être. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est let's go. Let's go. Let's go. Je te défie en duel. Voilà. Allez, donc c'était Emulboy en compagnie de Symphorio 313. Voilà. Pour cette présentation de la LSP. Voilà. On a tout dit, j'espère que vous allez kiffer. Et bah, nous, on se retrouve pour. Pour très bien. Personnellement, bah, pour ma vidéo team building, pas mon team building, mais présentation de mon draft. Mm-hmm. Et je pense que ce sera la même chose pour à peu près tout le monde. Voilà, tout le monde présentera son draft, je pense. On fera peut-être un petit récapitulatif des drafts pour tout le monde, c'est-à-dire genre un petit fichier pour que tout le monde puisse voir les drafts, mais sinon, voilà. Exactement. Et la compétition devrait démarrer d'ici une semaine à peu près. De toute façon, vous verrez la vidéo arriver. Les vidéos arriver. De toute manière, voilà. Ne vous inquiétez pas, on vous laissera pas en plan pendant un mois. On sortira tout très vite. Ce sera très très fluide. Et voilà. Et vous en demandez. Et je tiens à prévenir ceux qui feront pas les matchs et seront très très fortement sanctionnés. Voilà. On a prévu le fouet. À bon entendeur. On a prévu le fouet, mais de toute manière, on a déjà fait le topo par rapport à ça. Vous en faites pas. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, voilà, une bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo, voilà. Et on se retrouve le plus vite possible. Ah oui, j'espère. Donc, à la prochaine tout le monde. À la prochaine.